Salut tout le monde, c'est Seigneur la Mort. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Roblox et plus précisément sur du Ninja Tycoon. Alors, on va juste cliquer à chaque fois pour voir quel clan on peut aller. Ok, donc on va être dans le clan attaqué. Et aujourd'hui, eh bien, petite vidéo assez spéciale car, eh bien, on va tout simplement. Attendez, où est mon argent? Y a pas de l'argent aussi? Si, voilà, je pensais que j'allais récupérer. Eh bien, on va tout simplement débloquer un nouveau mode. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le mode ermite de Naruto. Donc, déjà, c'est parti. Pour commencer, on va l'équiper. Donc, paf, on a. Ok, ce mode-là, il est plutôt stylé, franchement. Alors, attendez, voilà, paf. On a les petits yeux façon crapaud. On a la veste qui est bien mise, franchement, c'est bien fait. Et qui est par-dessus mes vêtements en plus, vêtements que vous pouvez retrouver dans mon groupe Roblox, évidemment, qui normalement est en description. Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien fait, hein. En plus, là, on a le petit parchemin, franchement. Et moi, ça me rappelle la scène mythique où Naruto, il est arrivé à Konoha comme ça, paf, avec la musique et tout, face à Pain. Là, cette tenue, elle me rappelle vraiment ça. Alors, paf. Ensuite. Alors par contre, ça m'a foutu. Ah non, c'est bon. Ah non, non, c'est vrai, j'ai plus visage. Ok, là, on est plus en mode comme Jiraiya. Alors, j'aime un peu moins. Surtout que Jiraiya, il y avait un gros pif après. Même si là, heureusement, c'est pas le cas. Mais bon, c'est vrai que là, je suis un peu moins fan. Mais, ok, pourquoi pas. On a aussi le parchemin. Mais ouais, c'est vrai que. Pour moi, je préfère avec Naruto. Là, je trouve que ça fait bizarre. Enfin, ça me perturbe personnellement. Donc là, on va enlever. On reprend visage basique de chez Basique. Ok, alors là, on a juste les yeux. Mais je veux juste voir un truc. Est-ce que ça se combine bien, par exemple, avec ce mode-là? Non, même pas. Bon bah je suis un peu triste des derniers modes. C'est vrai qu'on a commencé avec un truc qui était très stylé. D'ailleurs j'ai même pas regardé mais au niveau de la vie il faut que je vois tout simplement. Ok, ça rajoute pas mal de vie. Je dirais peut-être que ça a un boost de 150 de vie. Enfin 150% en gros. Enfin ça nous rajoute 50%. Voilà, c'est plus simple dit comme ça. Il a voulu me voler de la vie lui. Donc là, je vais juste aller regarder rapidement. Enfin, d'abord, j'attends d'avoir l'argent pour mettre l'autre, comment dire, l'autre upgrader. Et après, on va aller regarder les prix, tout simplement, des techniques. Comme ça, on pourra les tester donc sur différents boss. Évidemment, comme ça, on voit si c'est efficace ou pas. Donc, c'est parti. Alors, pour ça, on va monter. Au deuxième étage. Ok, c'est bon. Ok, donc c'est ici. Ok, on a un petit prix à 4000. Franchement, c'est pas mal. Là, on a du 10 000. 35 000. Ok, ici, ça a l'air d'être une Frog Illusion. Ok. Et là, 5 000. Bon, bah, franchement, ça a l'air pas mal, je pense. Ok, là, on a vraiment des trucs, genre des techniques balèzes. Par là-bas. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des trucs un peu partout? Ah oui, des extraits de Susanoo, je pense. Alors, il me semble que c'est là ma base. Ouais, c'est là. Paf, on récupère ça. Donc là, on va un peu cliquer quand même. Histoire d'avoir l'argent nécessaire. Parce qu'on a quand même des prix assez chers. Enfin, surtout pour la dernière technique. Parce qu'après 4 000, 5 000 et 10 000, ça va. Mais 35 000, c'est plutôt cher. Ça prendra un petit peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous achetions les droppers. Mais pour le moment, j'aime bien un peu le style qu'il y a. Après, je crois que ça donne pas un énorme boost de vitesse. En tout cas, j'ai pas trop senti la différence. Il faut que je mette en mode combat. Ok, quand je frappe. Ah bah là, on a un abonné juste à côté. Alors, je peux pas lui parler, donc petite dédicace à toi, Sasuke Uchiwa.
N'hésite pas à te démarquer en commentaire. Là, c'est vrai que il faut que je farme. Donc, tu vas me trouver un peu froid. Mais c'est parce que là, je ne peux pas te répondre pour le moment. Car il faut beaucoup que je farme. Alors, on va vite fait faire un petit salut. Voilà, je me fais défoncer dans ma propre base. Ah non, même pas. Je suis pas mort. Bah, merci à ce. Alors, par contre, la personne qui me tape, c'est pas cool. Surtout que j'ai rien fait. Je crois que c'est. C'est quoi ce body block là? Il m'a fait acheter des trucs? Ah, c'est n'importe quoi. Oh là là, j'aurais peut-être pas dû répondre parce qu'au final après je serais obligé encore de répondre. Donc on va répondre rapidement. Voilà. Mais sache que tu vois que je ne pourrais plus te répondre, je pense. Donc ne sois pas triste. Alors. C'est bon. Ah ouais, ça m'a carrément fait à acheter le père de Kakashi. Ah zut, j'avais pas vu qu'il y avait un dernier dropper. Donc les amis, d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous voulez que j'achète d'autres mods, évidemment pas trop cher parce que... alors, je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais sachez que j'ai une vidéo, enfin un live plutôt, où vous pourrez gagner des Robux. Donc, alors, enfin, où je vous ferai gagner des Robux. Donc, là, c'est vrai que je pourrais pas non plus, comment dire. Bah faire enfin acheter des mods trop chers. Par exemple, je pense que le Raikage, je pourrais le tester, le mode de Gaara, combien il coûte déjà? Ouais voilà, il coûte 256. Je suis pas sûr d'avoir assez. 246 ici. Donc ça, un mode que j'ai déjà. Là on a Rock Lee 116. Et là on a Naruto en démon. Plutôt pas mal. Évidemment le mode Baryon, je ne pourrais pas le tester, mais sachez que j'ai toujours fait une vidéo. Dans lequel, eh bien, je réagissais à chaque mode de Ninja Tycoon. Donc, c'est plutôt pas mal. Parce que dans cette vidéo, vous pourrez voir, eh bien, tous les mods. Donc, je pense que... Enfin, en tout cas, j'espère que je vous mettrai ça peut-être... sur les fiches qui sont sur le côté, mais sinon n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Donc là, on va acheter les premières techniques. Vous savez quoi, plutôt que se faire taper parce que ça commence à devenir agaçant. Alors, donc on va prendre probablement le double Rasengan et on va aussi prendre notre petite grenouille, voilà, tout simplement. Et on va tester ça sur le boss le plus simple à vaincre. Alors, s'il veut bien se montrer, ok, il est là. Ok, donc ça fait un petit boost de vitesse déjà. Bon, à part invoquer un crapaud, qu'est-ce que ça fait? Ok, là on l'a vraiment touché, pour le coup. Ok. Alors, est-ce que si je fais... Ah. Là, ok, ça attaque un petit peu. Bon, c'est difficile de viser avec cette technique, mais pour le moment, ça a l'air d'aller, on va dire. Alors, pour moi, en vrai, le double Sharingan est pas mal, même si c'est vrai que des fois, je suis un peu buggé. Et aussi, ah bah, voilà, des fois, c'est un peu chelou, ça. Oui, en fait, le problème, c'est les barrières, ça casse tout. Ok, je suis quand même obligé de cliquer. Je voulais juste voir si jamais, si je... Si je lui fonçais dedans, est-ce que... Ok, paf. Je comprends pas. Ça... Je pense qu'il est trop bas pour que ça le blesse. En tout cas, c'est bien parce que j'ai l'impression que je perds pas trop de vie. Même si évidemment, c'est pas le mode qui donne le plus de vie. Vous vous en doutez. Mais franchement, je suis pas déçu par la vie du mode. Les techniques, après, sont un peu moyennes selon moi. Après, ces techniques de base, c'est les moins chères. Il faut que je monte, c'est vrai. Là, on s'apprête à acheter le gros Rasengan, il me semble.
D'accord. Alors j'ai vu qu'en vitesse, ouais, c'était pas le plus rapide. Je me demande d'ailleurs si le mode Raikage, lui, ne sera pas plutôt dans la vitesse. D'ailleurs, où est-ce qu'il est pour voir les techniques de loin? Ok, il n'y a pas beaucoup de techniques, mais je pense que je ferai quand même une vidéo dessus. Ça peut être pas mal. Alors, on va tester le Rasengan géant. On va tester sur Pain. Vous savez quoi? Comme ça, on est dans l'arc. Alors, on va un peu dézoomer parce qu'après. Ok. Ouais, on peut beaucoup spammer avec les Rasengan. En fait, c'est pas mal. Ça nous permet de contrer les attaques au corps à corps. Parce que ça propulse notre ennemi vers l'arrière. Et qu'en plus. Oula, j'avais pas vu par contre ma vie. Aïe aïe aïe. Ouais. Bon, par contre, faut faire attention à la vie. Là, on a du 18 000. J'ai juste rééquipé le mode. Paf, c'est bon. On va farmer un peu pour donc la dernière technique. Illusion, crapaud bizarre. J'ai oublié. Allez, c'est parti. On clique, on clique, on clique. Ok. Ah bah merci aux abonnés du coup qui m'aident à farmer. Là, on va pas essayer d'acheter le 10 second dropper, ça va pas nous servir. On va directement acheter donc la dernière technique, celle du crapaud. Qui a 35 000, hein, si je me trompe pas et si je me souviens bien. Ok, alors. Paf, c'est bon, on va pouvoir. Donc, c'est parti. Allez, on monte. On va pouvoir tester cette technique en espérant qu'elle soit pas mal. Illusion, chant des grenouilles. Alors, on va quand même continuer à utiliser ça sur Pain. Ok, pas mal. Ça bloque l'adversaire. Ok, ça, c'est une technique que j'aime bien. Ok. Donc, la dernière technique est plutôt pas mal. Par contre, la répulsion céleste de Pain, elle fait extrêmement mal. C'est quoi, vente? Ah, c'est le vent. Ok. Bon, bah du coup, les amis, on a découvert toutes les techniques. Alors, on va juste réutiliser ça sur Mizuki. Ok, ça fait quand même des petits dégâts. Hein. Est-ce que je peux l'attaquer pendant ce temps-là? Alors, je crois pas, mais c'est pas mal du coup pour fuir. Même si c'est vrai que, on va dire, c'est pas très noble de fuir, mais des fois, vaut mieux fuir que se faire défoncer. Ok, et donc les amis, eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc sur ce, je vous dis ciao.